coucou tout le monde. On est reparti sur Led Zeppelin, vu qu'il y a encore beaucoup de nouveautés à découvrir. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode précédent, si ce n'est pas fait. Alors, dans cet épisode, j'aimerais construire un bateau, explorer les mers, découvrir de nouvelles îles, de nouveaux biomes, de nouvelles ressources. J'ai besoin de tout ça pour améliorer ma base. Mais avant, je vais me faire une nouvelle épée, vu que l'on va explorer des donjons sur place. Oui, je peux faire la nouvelle, ce qui va augmenter mes dégâts. On va passer de 7 à 10 au lieu de 4 à 5 en dégâts basiques, ce qui est vraiment excellent. Donc c'est parfait. On va équiper cette arme. Je peux également peut-être améliorer... je pourrais améliorer ma pioche, mais j'aimerais bien également... On va déjà améliorer ça également pour voir ce que ça va débloquer. Je ne peux plus faire ça, mais je vais prendre la nouvelle pioche. On va avoir besoin de l'arrosoir. Il me faudrait une nouvelle hache. Et ouh, j'aurais peut-être dû attendre 13 à 17. Et ça demande quoi en ressources? Ça demande juste un petit peu d'argent? Ah bah ok, très bien. D'accord, très bien. Bon, alors, du coup, va falloir équiper tout cela. Déjà la nouvelle épée. Ok, on va prendre le marteau. Dans le nouvel emplacement que l'on a débloqué il y a peu. Je vais remplacer la pioche par la nouvelle. On va pouvoir creuser plus rapidement. C'est pas mal vu que l'on va dans une grotte où il va y avoir pas mal de ressources. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est... une torche. Et elle nous demande du bois. Bah, parfait. Parfait. Alors, on va toujours utiliser. On va laisser cet arbre. Il est beau, il est à côté. Ouh, mais c'est vrai que j'ai du bois là-dedans. Alors, hop. On va prendre 10 de bois. C'est vrai que j'ai du bois stocké dans mon stockage. Ça également, c'est nouveau. Alors, du coup... Non. Voilà. On va utiliser le charbon. Alors, on a vraiment, vraiment faim, là. Donc, je vais manger. D'accord. Ah, ça a pioché un petit peu plus de nourriture. Je vais avoir... Je suis désolé, mais je vais avoir besoin... Il n'y a pas moyen d'agrandir un petit peu plus. Je pense pas que je peux agrandir un peu plus. L'inventaire du personnage. On va pas avoir besoin d'hache vu que l'on va dans un donjon. Ouh, et d'ailleurs, je viens de voir que ça y est, j'ai déjà débloqué le bateau. Ok, bah on va le faire assez rapidement, le bateau. C'est quoi ça? C'est un canon? Ah non, c'est une fonderie. Un four. Une fonderie, ouais. On a également débloqué. Oh, nouvelle chose. Intéressant. Alors, je me demande si je peux avoir la torche. Et une arme en main, une arme de main. On va voir ça. Alors, hop. Et 5. Ouh. C'est pas une hache, c'est une épée. Ok. Bon ben, c'est parti. Alors, hop. Hop, pas besoin de réparer. Donc, on a besoin de charbon, surtout. On a déjà fait un petit peu le tour dans cette zone, dans une partie précédente. Je vais être... Ouh, il y a des nouveaux effets sonores. Ça, c'est nouveau. On a obtenu quoi? Un petit peu de fibre, c'est pas ce que je voulais. Ouais, nouveau effet sonore pour la chute d'eau. Pas mal, parce que dans le passé, il n'y avait rien du tout. Donc je peux allumer la lumière ici, pour... voilà. Mais bon. T'as rien compris, hein. Ça c'est quoi? C'est de la roche. Ça c'est les fameuses ténèbres qui menacent l'île. Ça drop rien du tout, par contre. Il y a pas beaucoup de minerais là. Ça... Ah, il y en a là. Arrête de me... Voilà. Bon, alors toi, nouvelle pioche. 11 de dégâts. Je crois que c'était 7 ou 8 avant. Si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est du fer. Vide. Ouh, il commence à laisser des âmes, ça va être utile également. Vous pouvez voir, j'en ai 4 maintenant. Je sais pas si je dois détruire ça ou m'en servir comme plan de spawn pour les ressources. Et allez. Ah non, lui n'a rien donné. Ah, il y a peut-être une limite, on va voir, suivant. Oui, ça m'en a donné une. Bon bah, je vais voir s'il y a des bonnes ressources à côté. Ouh, ok, non, rien du tout. Bon, je m'en suis servi un petit peu comme distributeur d'essence sombre, c'est la ressource qui me fait tomber. Bon, faut progresser, merci. J'ai pas trouvé de ressources. Enfin, pas beaucoup. Hmm.
Si on n'a pas énormément, autant aller voir s'il n'y a peut-être pas une île où il pourrait y avoir beaucoup de charbon. Plutôt que chercher le charbon là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, on va faire notre bateau. Alors, avant de partir, je vais améliorer ma hache. Donc on vient là. Super. Maintenant, on va équiper ça. C'est celle-ci, hein. Ouais. On va remplacer toi. Et donc maintenant, j'ai tout au niveau 2. Je vais peut-être me débarrasser de ça. Est-ce que... 7 à 12. D'accord. Donc en fait, c'est juste que l'épée fait moins de dégâts, mais elle est plus rapide. Donc faudra voir. Donc, alors, avec ce que j'ai, on va voir pour le bateau. Ah, il est où le bateau? Il est là. Il me faut 15 de fibres, 40 de bois. Voilà. Un peu de fibres. On est à 17, mais bon, je vais pas m'arrêter là parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre d'ailleurs. Donc autant avoir un petit peu plus de fibres, juste au cas où. Allez, 32. Ça devrait faire l'affaire. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un ponton qui permet à mon bateau de passer, un ponton qui va connecter à là-bas? Ah, ça va être où? Ça va être ça. Est-ce que j'ai déjà le bloc ou pas encore? J'ai pas l'air d'avoir le bloc. Ouais, ce n'est pas ce type de fondation, mais plutôt d'autres avec une arche en dessous pour la connexion. Ouais, donc va falloir progresser, monter un petit peu plus en level. C'est pas grave, pas grave. Le bateau. Mais là. Ah ah! Hop! Ouh! quelque chose me dit que la mer est plutôt du côté là. Donc, est-ce que ma carte... Oui, la carte va se mettre à jour. Ouh! Alors, je peux aller tout droit. Je peux continuer d'aller tout droit. Mais je peux pas tourner en ayant la carte ouverte. Ok. Pas d'île sur... Je voudrais voir s'il y a quelque chose de pas trop loin. Ouh. Un tonneau pour moi. Plus de bananes. Ouh. Ah, ouh, ça c'est mon île ça ou... Non, c'est une autre petite île. Ah oui, non, c'est l'île du donjon que l'on a visité. D'accord. Alors... Ah, j'ai voulu faire mage pour courir et aller plus vite. Et ça va me faire une... Alors, oh là, il y a des vagues. Il y a quelque chose devant nous, non? Non, c'est les vagues qui vont dans le sens inverse. Ouh. On va pas tellement vite. Faudrait peut-être voir si je peux débloquer le bateau niveau suivant. Parce que là, c'est vraiment plus un radeau quoi qu'un bateau. Ouh, c'est première île. Alors, qu'avons-nous sur place? Ça a l'air d'être un désert, mais je suis pas sûr. Ah, je peux faire marche arrière. alors, je vois de nouvelles fleurs, je vois de l'argile. Alors, oh, une grotte là. J'espère qu'il ne va pas bouger. On va aller dans la grotte un petit peu plus tard. Là, je vais devoir faut déjà voir ce que c'est tout ça. C'est là-dedans. D'accord, c'est du marigold. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français. C'est... Non, aucune idée. Ouais, les fleurs. Alors, est-ce que j'ai au moins du grès? Ou du limestone? Ouh! Alors, je vais couper ça en espérant obtenir des graines. Oui, j'ai obtenu des graines. Parfait. Donc, on va pouvoir faire pousser ça maintenant à notre base. Je sais pas si ça va fonctionner. Ouh, un petit seau. Un seau, un baril plutôt. J'ai 28... Ouh, je vais devoir manger là. Enfin, très fin. Marigold, j'en ai peut-être besoin. Je crois que je peux vendre des fleurs chez certains marchands, mais je suis pas sûr. Je sais plus si je peux que les acheter ou les vendre. Je vais peut-être en avoir besoin pour des potions. Donc... Et ça, ça ne m'arrange pas particulièrement. Je vois pas de ressources rares. Ah, une bouteille quand même, ça c'est cool. Oh, level up. Level up. Alors... J'ai quoi? J'ai 3 points. Et plus de dégâts aux ressources. Plus de dégâts. Ça, c'est bloqué. Plus de points de vie.
Ok, un emplacement de plus. Ah, en fait, j'ai déjà débloqué, zut. Ok, si je vais vers là, je vais débloquer plus d'emplacements. Donc, on va te prendre. Même si c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais j'en ai besoin pour. Ouais. Pour la ceinture. Bon, bah, y a rien d'autre. Est-ce que ce type d'arbre me donne du bois différent? Ok, non, c'est du bois standard. Bon, bah, on va reprendre l'aventure avec notre radeau. Petit peu déçu. Y a rien, je peux voir qu'il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grotte. Oui, on n'a pas encore visité, exploré la grotte. Est-ce que c'est un donjon? Du coup, j'aurais dû garder ma torche. Il y a des ennemis à l'intérieur. C'est vrai que j'ai une compétence également. Ça fait mal ça. Ok, ils ont rien compris. Ils ont rien compris du tout. Le problème c'est que... Et ça c'est standard. C'est que je vois pas grand chose. Je sais pas si ça vaut le coup d'explorer cet endroit. Ça donne pas mal d'XP par contre. Tuer les ennemis. Vraiment avancer là-bas rapidement, donc ça c'est pas mal. Petit champi, mais c'est pas grave. Ouh! Ok, ça. Ça c'est un plus gros bonhomme. Est-ce que j'ai ma compétence? Boum! Ouh! Ok. On va détruire ça parce que si ça en fait apparaître un nouveau, un gros. Oh, c'est bon, on va manger. Oh. Ouh. Faudrait faire des bandages. Ouais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de ressources. Et il y a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis. Ouais, mine de rien, j'ai quand même pu explorer toute la grotte et j'ai récupéré un petit peu de fer. Ah bah tiens, on va faire le tour... Vers là-bas. Oh, ce bruit. J'ai rechargé mon épée. J'ai pas exploré le côté là, si. Bon, y a rien. D'accord, on va faire le tour vers là. Et si je veux rentrer à la maison, il faudra retourner ici. Moi, ma maison est indiquée. Ah, alors. Ouh. Ça a l'air d'être une grande île. Alors elles sont générées procéduralement. C'est purement un hasard, mais vu qu'elle est grande, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dessus. Allez, on va se poser là. Donc ça, ça a l'air d'être plus un biome forêt. Qui correspond à ce que l'on a eu dans notre... île, ce que l'on a dans l'île principale. Je peux péter ce gros rondin. Non. Niveau de l'arme trop bas. Ah, est-ce que ça c'est une ressource? C'est juste de l'argile. Hein. Ah, c'est juste de l'argile. J'espérais voir du grès, mais dans le grès c'est plus. La ressource est plus élevée. Ça fait un petit menhir. Je pense pas que je vais trouver du grès là. Ouh. Okay. Ah, c'est un point de pop. Il y a probablement un donjon là-bas du coup. Ouh. On va prendre l'épée. Pas sûr que l'épée soit mieux. Elle a une plus basse portée. Plus courte portée plutôt, pas basse. Même si elle attaque plus vite. Okay, on va prendre ça. Et mon attaque. Boum. Oh, ce truc. Allez, hop, 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 c'est bon. Ici maintenant. Le village de tous ces monstres. Ça me fait également pas mal de ressources. Plein d'XP. Un gros combo là, mais dans le vide.
Oula, attention mes points de vie. Fais attention à mes points de vie. Eh mais c'est dangereux hein. Cette île elle est pleine de monstres. On est mieux sur notre île. Ouh. Ok, ça c'est des bonnes choses. Très bien. On range un petit peu. Faudrait trouver plus de baies ici. C'est quoi qui s'est passé là? Quelque chose qui a monté, c'est un... grande créature. Alors, j'ai découvert qu'il y a une autre île au sud-est, mais avant, je viens de voir qu'il y a normalement un donjon dans le coin. On va éliminer ça. Hop, je donne un gros coup. Boum! Ils ont rien compris. Ok, un groupe d'éliminés. C'est bon. Donc, il y a sûrement trois boutons activés dans l'île. Ah non, cette fois-ci c'est dans... Ok, il y en a pas mal à visiter, je m'y attendais pas à ça. Ouais, ben bah alors on a de toute façon l'île au sud-est déjà. Allez voir. Oh, je peux changer là de... Oh, y a ce... je me demandais si je pouvais poser un de ces coffres sur le radeau et clairement, bah, j'ai même pas besoin de me poser la question, c'est déjà fait pour moi. Ah, pas bête parce qu'on en a besoin pour... à toutes les situations que l'on peut rencontrer en explorant. Ok, là je vais hop un petit peu trop au nord. Donc on va se poser là. Oups, attention, pas casser le radeau non plus. Et j'ai vu de l'argile. S'il y a de l'argile, il n'y a peut-être pas de grès. Alors, ce que je trouve, c'est qu'avec cette nouvelle mise à jour, les ressources rares, donc la ferraille... Le verre, tout ça est beaucoup plus facile à trouver vu qu'il y a plus d'îles. Donc, ouais. Allez, ça c'est de l'argile, on en a à la maison. Ici, oh, ça est-ce que je peux le ramener chez moi? Pas le détruire, zut. Pas passer en mode construction et. Ah non, non, je suis caché de graines. Zut. Bon, c'est grave. Ça, ça me donne 13 de ferraille, excellent! Ah, je suis revenu en radeau, vraiment? C'était si petit que ça? D'accord, bon bah on continue. Alors, c'est pas sur cette île qu'il y a. D'accord, ça, c'est sur l'île suivante. Et là, je vais bientôt passer au level 6. Alors, on va manger un petit peu. Par chance, je trouve pas mal de baies dans les coffres et dans les tonneaux. C'est pas un problème. Viens là, ok. En fait, je vais faire le tour et je vais revenir à la maison. Ouais, vraiment excellent, ça donne vraiment un côté liberté supplémentaire, c'est agréable. Ça change vraiment les choses. Ah, je vais pas trouver le désert, hein, un biome désert avec du grès. Ah, ça je le veux parce que ça je vais peut-être avoir des graines. Non, pas de graines. Graines. C'est sur cette île qu'il y a la chose à activer. Oh, j'ai trouvé une bouteille sans faire gaffe. Alors... ah, c'est peut-être là-dedans. Ouh. Regardez-moi ça. Très classe. Tonneau, là. Ah, je peux pas donner un coup. Ok, mais il a bougé, du coup, je peux l'avoir. Je vais peut-être pouvoir le choper avec le radeau. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, j'aurais dû récupérer une torche. Forgotten Town. Oh, il y a de la lumière, c'est cool. Ah! Ah! Quoi? C'est... ok. Faut éviter les plaques de pression. Ouh. Oula. Il y a une balance des missiles suivants. Oh, tiens! Voilà. Il n'y a pas de la lumière partout, mais j'aurais quand même. J'ai quand même devoir m'en sortir. Je vais pas m'en sortir, pardon. Boum! Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon tout de suite. Il y a un coffre là-haut.
D'accord, c'est une boîte. Quoi ce bruit? Oh, quelqu'un a activé un piège, je pense. Les ennemis peuvent activer les pièges eux-mêmes. Et je sais qu'il y a un piège là. Mais avant... Et c'est quoi que j'ai obtenu au passage hein? C'est du charbon que j'ai obtenu dans ce truc. Level up. Ouh, du pain. Le premier pain. On est rempli de roches. Chez. Y'a rien. Tout ça là je vais tomber hein, si je vais là. Est-ce que je peux débloquer? Ouais. Super. Donc là je vais pouvoir mettre ma torche. Bah tiens, on va retourner sur le radeau. Et on revient. Hop. Ah, c'est vraiment classe de pouvoir agrandir notre petite ceinture. Voilà. Maintenant, je peux avoir la torche. Et je peux combattre avec. avec ma hache plutôt. Donc c'était là. Voilà. Je vois les lances. Voilà. Oh, j'ai fait mon attaque spéciale dans le vide. C'est mieux le combat en voyant ce qui se passe autour. Parfait. Ah. Là. Je vais mettre son attaque. Non, dans le vide encore. Mais. On va l'avoir. Ok, bon bah tant pis pour lui hein. On va à l'étage. Si je peux pas le toucher. Ah il est. Ah ok, il était au-dessus. Ah je pensais qu'il était dans l'escalier, mais il était à l'étage. Je peux pas dormir dans le lit. D'accord. Il y a un bouton quelque part, hein. Est-ce que j'ai le droit à une... Non, j'ai pas le droit. Oh, oh, oh. Purée, lui, il a foncé dessus. Poum. Voilà. Beaucoup de choses, là. Voilà. Continue l'exploration. Un peu de fer. Je commence à avoir beaucoup de ferraille. Donc ça va être utile. Plus des éclats de fer qu'on va faire fondre dès que l'on peut. Je sais pas. Alors je sais pas avec la perspective. Là, est-ce que, ça a l'air d'être plus haut, mais de combien de mètres? Est-ce que c'est juste un tout petit peu plus haut? Ou c'est genre 15 mètres? Je sais pas. Je me suis déjà brûlé avec le bonhomme là qui était dans... à l'étage supérieur. Donc... Ah quoique, est-ce que je peux sortir le... Non, je peux pas sortir le mode construction, là. Non, je peux pas. Je peux pas bouger la caméra. Ouh! What? Ouais. Dangereux, ça. Ok, il y a toujours des bonnes choses dans les tonneaux. Un petit peu de bois cette fois-ci. Tout ? C'est ça la pièce ? Ok. Madame, il est la plus petite maison du village. Grosse attaque. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, je sais pas si je vais dans le bon sens, parce que je pense qu'il y a d'autres chemins que je n'ai pas pris. Mais ça a l'air d'être un chemin assez long. Oh. Ça c'est quoi? Oh, ça c'est du charbon. C'est bon. Ça, c'est juste de la roche et on a un cul-de-sac. Ça m'arrange. Ça veut dire que... juste à aller ailleurs. Oh, maintenant il y a du platforming. Et le chemin est tellement long que je commence à me demander si je vais atteindre le bout un jour. Oh oh. Oh oh. Ok. Ok. Bon, on va manger. Et on va laisser le regène faire. Je vais voir de l'autre côté. Ok, il y a un autre chemin là-bas, on y retournera. Quelque chose me dit que c'est là-bas qu'il faut aller pour valider le bouton. Voilà. Ah ouais. Cul de sac. Zut.
Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Mais là-bas, il y a 15 000 mobs. On va en avoir quelques-uns avant que le gros se ramène. Ok. Bon, la vengeance. Juste aimer celui-là. Une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant. Mais il y a combien de nids là? C'était donc bien là qu'il fallait aller. Ouh! Maintenant, est-ce que je peux retrouver le chemin pour quitter cette grotte? Il y a quelque chose là-dedans? Une petite maison? Allez, un gros trésor? Ouh, de l'argent. Ok, merci. 5 pièces? Ouais, pas mal! Pas mal, pas mal. Bon, bah. Oh purée, le chemin du retour était super court. En fait, j'ai fait... j'ai tourné en rond, moi, je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais ouais. 30 secondes le retour. Et j'ai passé genre 15 minutes à faire l'aller. Du coup, là, il fait nuit. Mais nous, ce que l'on cherche, c'est du grès. Ou du limestone. Je crois que c'est le limestone et du grès. Hein. C'est ce qu'il me faut. C'est pour cela que je continue un petit peu, sinon je serais rentré pour utiliser les ressources que j'ai trouvées. Ouais. Allez, continue à voir s'il y a des choses proches. Alors si je fais... Oula. Ça tourne un petit peu bizarrement par contre. Côté physique, c'est pas le plus convaincant. J'ai vu un seau là-bas, un tonneau plutôt, mais bon, pas grave. Donc ouais, toujours ce grès, et je n'en ai même pas trouvé dans les tonneaux. Alors que j'ai trouvé de la roche, du charbon, du fer dans les tonneaux. Mais pas ça. Avec la petite flamme, c'est marrant. Ah, il y a au moins une île là. Ou alors deux. Une petite et une grande. Ou deux petites, je sais pas. Ah, bah il y en a deux. Ouais, c'est bien deux. Moi, ce que je veux, c'est trouver... Ah, j'ai ramassé un tonneau, je crois, sur le chemin. Ce que je veux trouver, c'est mon grey. Ouais. Toujours pas. Ça a pas l'air d'être le type. Où il y a ça. Moi, là, je vais bientôt atteindre les 100 ferrailles, ça c'est génial par contre. Je vais être tranquille pendant pas mal de temps. Et cette île a pas l'air d'avoir grand chose. Ça c'est de la roche, elle est toute petite, un tonneau. Ah, la famille de Xav. Je suis pas en vacances, je les vois partout. Ah, c'est reparti. Ouh, c'est quoi ça? Ça c'est des points de pêche. Mais j'ai pas la canne à pêche donc. Alors, maintenant. Ouh, il y a trois îles là. Donc là, ouais, je préfère un pont qui connecte les îles. Si je le souhaitais. Donc ça, c'est une île forêt. Donc on va dire non, je vais pas activer de toute façon le, pour le donjon. Je cherche... Ouh, ça y est, le soleil commence à se lever. Je cherche du... Ça a l'air d'être une plus grande île. Donc là, j'ai vu vraiment deux biomes. La forêt et... Pas une île tropicale, je sais pas trop comment décrire ce biome. Très grande île, mais pas ce que je cherche. C'est pas grave, on va faire 100. C'est peut-être une ressource maintenant giga rare, mais j'ai de quoi faire avec tout ce que l'on a ramassé là déjà. Donc, c'est en face. Et donc là, on rentre. Il me faut retrouver ma maison. Ouh. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Tonneau là-bas. Hop là.
On va dedans. Ça fait du bien, un peu de lumière. Donc, si je veux... Donc, ce que je voulais, c'était construire ça. Et donc, pour ça, il me faut du gris. Apparemment, ça n'a pas passé. Faire ça. Ça demandait du bois que je n'ai pas. Donc, on va y aller en bois, comme ça. Voilà. Maintenant... Ah, ça me laisse pas, pourquoi? Ah, ouf! Ouf, c'est que je n'ai pas de bois. D'accord, donc on va récupérer du bois, là. Je fais ça, est-ce que je reprends tout ou... J'ai peur que ça détruise la ressource. On va essayer. Ok, donc ça le met bien en sac, d'accord. C'est bon à savoir. Donc là... Voilà. Maintenant ici, je me rappelle plus trop comment planter les graines. Là-dedans. Ah oui, non, oui, mais j'en ai planté une. Ouh, on peut faire des arbres là. Ouais, des poiriers. Pas assez de graines de poirier. Vas-y. Ça, c'est de la fleur. Ok, donc je vais garder ça pour des d'autres arbres fruitiers. Faudrait peut-être faire un chemin. Alors, on va avoir besoin d'un puits. Besoin de bois pour le puits. Est-ce que le puits peut être poussé? Non, je pense pas. Il faut vraiment le mettre là. On va te mettre ici. Donc il va me falloir un seau maintenant. On va le fabriquer. On a level up, super. Attends, on va te mettre à la base, on a plus besoin de toi pour le moment. Donc j'ai pas regardé le tuto, mais je crois que je me rappelle. Voilà. J'ai dû regarder le tuto. Ah oui, ok. C'est comme mon attaque spéciale. Il faut appuyer sur Q. Ah, ok. Je peux faire plusieurs à la fois. Ensuite, il me faut faire pousser des baies là-dedans. Même si j'ai moins de problèmes avec les baies. Est-ce que je mets du coup... Non, j'ai plus de bois. Alors ça. Voilà où ça se mixe sur le sol. Ok, donc pas ce que je veux. Alors. Ah, c'est toi. La raffinerie. On va poser la raffinerie là. Boost. Carburant. Mettre du bois. Et tu vas me faire ça, d'accord. Donc c'est parti à la raffinerie. Et je vais avoir besoin de bois à nouveau. Pas d'autre. D'accord, c'est 10 par 10, c'est ça le... Ça va me donner ça. Ça, c'est pas forcément quelque chose que je veux. Donc voilà, ouais, ça m'a pas fait assez de ressources. Je pensais être large, très large, mais clairement non. Je vais mettre ça pour avoir plus de points de vie. Parce que j'ai vu mes limites en combat. Ouah. D'accord, donc il me faudrait pas mal de points par contre pour avoir une autre sacoche. Oh, une chance de regarder son inventaire à la mort. Donc pas avoir à aller le rechercher. Ah, le nouveau système de compétences est également intéressant. Ce n'était pas présent dans le passé. Mais bon, je pense que là, on a bien progressé. Je vais probablement m'arrêter là. Si je veux passer au level suivant, il me faut des choses que je n'ai pas. C'est quoi cette ressource? Ah,
je peux pas aller dessus pour la voir. De l'acier, d'accord, il me faut faire la fonderie et tout, donc ouais, on est loin du level suivant, mais bon, je pense que là on a vu pas mal de choses. Je pense qu'en passant level 3 pour l'atelier, je vais pouvoir faire les ponts sous lesquels mes bateaux peuvent passer, et je vais également pouvoir faire des bateaux plus avancés, peut-être, hein. Je suis pas sûr pour ça, mais probablement. Le jeu est toujours très classe, et là je vous ai pas encore tout montré, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en interaction avec les PNJ et tout, vraiment. C'est du très bon boulot de la part du développeur. Et le jeu est encore en cours de développement. Donc il y a encore du contenu qui arrive dans le futur. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a une loterie avec 5 clés à gagner. La loterie prend fin ce dimanche à midi. Donc allez sur Discord et tentez votre chance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.